Installez-vous confortablement, assis ou allongé, et prenez conscience de votre respiration, des mouvements de votre thorax. À chaque inspiration, il se gonfle. Et à chaque expiration, il s'abaisse. Continuez de mettre en lumière votre focus sur ce mouvement d'inspiration et d'expiration en ralentissant le rythme intérieur afin de vous rapprocher de cette sensation grandissante de détente et de relaxation de plus en plus profonde et agréable. Puis revenez en arrière, lorsque vous étiez petit ou petite. Certains moments et certaines découvertes étaient magiques. Vous découvriez un nouveau monde, les formes et les couleurs était inconnu pour vous. Chaque objet vous semblait si extraordinaire que vous vouliez le toucher, goûter, le sentir. Puis vous avez appris à marcher. La première étape était de vous mettre debout et de rester stable. Vos genoux étaient parfois cotonneux, tremblants. Vous tombiez. Puis la force d'avancer, d'être autonome et d'y arriver vous a poussé à réessayer à chaque fois. Vous vous mettiez de nouveau debout. Vous vous aidiez d'une chaise, d'une table ou des bras d'un de vos parents ou proches. Une main aimante vous aider à avancer en vous tenant par les mains. Vous arriviez à marcher. Pas tout seul, mais la joie de marcher était pour vous immense. Vous étiez capable d'avancer un pas devant l'autre. La magie de la vie opérait. Vous étiez devenu grand, stable et autonome. Vous avez même ensuite appris à avancer sans la main de vos parents et sans aide extérieure. Même si vous tombiez de nouveau, vous vous releviez à chaque fois. Vous voyez le monde d'un angle différent. Vous étiez encore plus curieux
de découvrir ce qui vous entourait. Vous avanciez, vous alliez dans tous les recoins de la pièce à toucher, à sentir, à goûter, à tester, à écraser, à lécher. La vie était riche en expériences et en tests. Les adultes sécurisaient au mieux le périmètre et vous empêchaient de goûter à tout, de vous brûler, de traverser la rue. Ils étaient présents pour vous protéger et garantir votre état de santé. Vous avez appris ensuite à parler, à sortir un son de votre bouche et à prendre conscience que ce son était émis par vous. Vous avez appris à moduler votre voix, à adapter la tonalité et le volume sonore de votre voix. Vous compreniez les adultes, mais les mots étaient difficiles à prononcer. Vous étiez bien et heureux dans votre monde intérieur, en contact avec le monde extérieur, vous étiez sans parole. Chaque mot était une découverte et un défi à prononcer. Votre langue était parfois mal placée et les tr devenaient des cr. La différence entre les d et les t, les g et les que, n'était pas évidente. Vous avez appris et vous avez été guidé dans la prononciation, dans la grammaire et les conjugaisons. Vous avez même peut-être appris plusieurs langues à la fois, et votre cerveau devait traduire chaque mot, le transformer en image, en son ou en sensation. Vous avez avancé et vous avez réussi à vous exprimer afin que le monde qui vous entoure puisse vous comprendre. Vous avez aimé apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Parfois, vous inventiez d'autres mots qui résonnaient en vous juste. Vous avez appris à avancer en vous relevant à chaque fois que vous tombiez. Vous avez réussi à parler, à exprimer ce qui était vivant en vous. Sentez cette joie intérieure de croissance,
de découverte du monde qui vous entoure, présente encore en vous. Vous avez eu le courage de persévérer et d'avancer sur votre chemin. Vous êtes capable également aujourd'hui de ressentir cette beauté et ce courage en vous présent. Le matin, quand vous vous regardez dans la glace, souriez et pensez à tout le chemin parcouru depuis votre plus tendre enfance. Et soyez fiers de vous. Respirez profondément en prenant le temps d'intégrer les apprentissages pour votre conscient et votre inconscient de cette méditation. Et revenez à votre propre rythme en toute sécurité. Conscient de votre corps, de sa position, de sa relaxation, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, des objets qui vous entourent. Laissez vos mains bouger, vos pieds et vos jambes s'étirer. Vous pouvez bâiller et étirer encore plus votre corps en inspirant profondément et en sentant de plus en plus cette joie de vivre, d'explorer le monde qui vous entoure en étant conscient de votre capacité de persévérer, d'avancer sur votre chemin de vie.